haven't done that. Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Il fait une chaleur, c'est n'importe quoi. Bonsoir, Neutrino. Bonsoir, Neutrino, comment tu vas? On est tous les deux. On est en tête à tête ce soir. Bonsoir, Chiru. Bonsoir, Manu. Non, il y a du monde qui arrive. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est samedi, le samedi. Bonsoir, Dorian. Le samedi, on est sur Planète Zoo. Bonsoir, le ombre de Le Geek. Alors, on fait un petit peu le point et après, on fait le point. Donc on fait le point et après on fait le point. On fait le point où on en est et après on voit ce qu'on va faire ce soir. Alors du coup, thème Afrique, vous connaissez déjà. J'ai pas réavancé dessus, hein, pas plus que ce qu'on connaissait déjà. L'habitat des loups avance tranquillement mais sûrement. J'ai avancé un petit peu. Hop, je vous montre. Hop, juste ici. Sur le belvédère qu'on avait commencé à travailler. Bonsoir Manu. Ça va super bien. Je vais bien. Honnêtement, je vais bien. Il fait trop chaud, mais je vais bien. Il fait trop chaud pour un mois d'avril. On est le 11 avril, les gens. Donc j'ai avancé sur le belvédère qui va donner une visibilité aux loups de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis assez content. Alors j'ai des petites galères, forcément. Hein, la forme étant biscornue, il y a forcément un moment donné où les raccords vont être compliqués. On va trouver une solution, c'est pas grave. Il devient fou ton parc. Ouais, il est pas mal, Chiru. On est d'accord. Il y a des petits marchands, des petites infos. Le belvédère est plutôt stylé, je trouve. J'ai avancé sur forcément sur le passage, mais ça vous l'aviez déjà vu. Le fameux passage couvert qui rend quand même vachement bien. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous montre rapidement le grand hall. Le grand hall avec le loup, la sculpture de loup au milieu, tout ça, la belle enseigne au milieu et la verrière. Voilà, ça c'est où on en est aujourd'hui. Bonsoir Eki. Et donc du coup, rappelez-vous, il y a très longtemps, alors il y a eu un DLC, c'est pour ça que ce soir, tout ça, il y a eu un DLC Amérique du Sud. Alors, rappelez-vous, à l'époque, j'avais dit, il y a très longtemps déjà, je pense que c'est les Flamants Roses ça. Oui, c'est flamand. J'avais dit, il y aura trois zones. Il y aura une zone Afrique. Donc la zone Afrique, on est quasiment bon. Hein. Techniquement, elle est bonne. On a une zone plus moderne Arctique. Il y a des loups, il y a des panthères, panthères des neiges, plus des commerces. Alors il y a que deux animaux. J'ai pas mis là où j'ai fait une grosse erreur. Et je vous le dis, si jamais vous jouez. Bonsoir Toff. Bonsoir 30 millions d'amis. Si jamais vous jouez un jour à Planète Zoo, ne négligez absolument pas les vivariums, parce que les vivariums, c'est la vie, en fait. C'est ça qui vous fera de la thune, surtout au début. Là, j'ai lancé un nouveau parc sur la zone Amérique, et j'ai commencé par un vivarium, et mine de rien, ça me fait le taf. Ça fait carrément le taf. Donc, ne négligez pas les vivariums, c'est carrément la vie. Donc, la deuxième zone, c'est la zone Arctique, où il faudra que je fasse, à un moment donné, une petite zone vivarium, quand même, avant de finir. Je suis assez content de cette zone-là, honnêtement. Même si, en termes de plan, c'est pas opérationnel du tout, mais du tout, du tout. Autant le plan de l'Afrique était pas mal que le plan Arctique est pas bon. Et honnêtement, il est pas bon. J'aurais dû mettre ça au centre, j'en ai déjà parlé, mais cette partie-là aurait dû être centrale. Le dôme sur le côté, j'aurais dû faire les choses différemment, mais vu que j'ai fait un peu ça au fur et à mesure sans avoir de plan dans la tête, ça a donné ça. Bonsoir Space. Et donc du coup, pour l'Amérique centrale, j'ai décidé d'ouvrir une troisième zone. Donc ce soir, on va faire l'attraction principale qui sera le jaguar. Enfin, l'habitat principal qui sera le jaguar. Mais il y aura jaguar, lama, il y aura l'arénette azur rouge, là, la fameuse de vivarium, tout ça. Et il y aura d'autres animaux dans le genre. Il y aura évidemment des commerces, etc. Et donc cette zone-là va se passer ici. C'est pour ça que j'ai travaillé énormément sur le relief. Jusqu'à maintenant, je travaillais que sur du terrain plat. Ouais, il y avait des manifs. Bah oui, c'est les flamants roses, quoi. Flamants roses, ils passent leur temps à se plaindre. Flamants roses, c'est une catastrophe. Et les tortues ont soif, mais ça, c'est... Je comprends pas pourquoi. Bref, ça va le faire. On perd un peu d'argent. Je vais faire attention, mais je vais pas trop m'en occuper ce soir. On va y aller tranquille. Donc, du coup, oui, troisième zone, qui sera donc la zone Amérique du Sud, par laquelle on accède, je vous montre un peu, par... De ce côté-là, donc j'ai travaillé le terrain, un tunnel de ce côté-là, et hop, de l'autre côté, ici, voilà. De ce côté, il y a un tunnel qui vient de l'habitat des dragons de Komodo, et un chemin qui vient de la zone arctique. Le chemin de la zone arctique, il n'y a pas de tunnel, mais je me suis débrouillé pour que
Je me suis mis dans l'idée du réel et je me suis dit, les gens qui marchent par ici, pour qu'ils aient pas la vue trop vite de la nouvelle zone, j'ai fait un chemin un peu tordu, un peu travaillé pour qu'ils aient pas une vue complète de la zone tout de suite. Et vous êtes perdu, c'est pas ouvert encore. Peut-être que je ferme la route. Non, bah non, parce que j'en ai besoin. Et donc, du coup, un tunnel, ça me rappelle des souvenirs. Et donc, du coup, comment ça va marcher? Je vous explique un peu le plan, et puis après, on va avancer, mais je vous explique un peu. L'inspiration, c'est vraiment Amérique du Sud, c'est-à-dire construction sur plateau, type, comment s'appelle, Machu Picchu et compagnie. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a du relief. Ça va être, rien ne va être au niveau du sol. Tout va être surélevé parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Je vous la montre tout de suite parce qu'elle déchire tout. Je vous le montre tout de suite parce que c'est THE fonctionnalité de la mise à jour. Honnêtement, je sais pas si Neutrino t'es d'accord avec moi, mais quand vous faites un chemin maintenant, avant, quand vous faisiez une rampe, alors hop, votre longueur minimum c'était ça. Et c'était pas pratique. C'était pas pratique parce que tu faisais ça, hop, et si j'arrive à avoir le bon raccourci, voilà, ça donne ça. Avant, tu faisais ça au minimum. Maintenant, donc voilà, 1 et 1. Et maintenant, en fait, on peut faire ça. Un impact négatif sur les visiteurs. Je vais regarder. On va peut-être mettre pause un peu. Je vous montre maintenant parce que c'est la fonctionnalité. Voilà, hop. Je monte et maintenant j'ai la possibilité de régler tout en bas ici la longueur d'élévation. Donc 4 mètres par défaut et je peux descendre jusqu'à 50 cm. Ce qui fait que, genre, si on la met à 1 mètre, je peux faire des micro-escaliers et des micro... Hop, vers la bonne... avec la bonne, le bon raccourci, ça marche vachement mieux. Non. Comme ça. Et j'avais réussi. Non, j'avais pas réussi. J'avais peut-être pas réussi. J'avais peut-être pas réussi. Si j'avais fait comme ça. Oui, c'est ça. J'avais fait une comme ça. Et après la plateforme. Alors ce truc-là est pas indispensable. Hein. On peut le mettre direct. Hop. Et mine de rien. Ah non, je me suis trompé de raccourci. Excusez-moi. Et mine de rien, ça change tout. Alors, par contre, il se désactive à chaque fois, ce qui est très très chiant, hein, je vous le dis. Mais mine de rien, ça change tout en termes de construction, parce que ça te permet d'être vachement plus sur mesure, ce qu'il faut dans le No Man's Sky. Ouais, j'avoue. Et donc, du coup, ça te permet de faire vraiment différents levels, des demi-escaliers, des demi-niveaux, vraiment comme tu veux. Et rien que ça, c'est gigantesque. Plus qu'ils ont rajouté plein de trucs, on va en parler dans la soirée, mais ce truc-là est vraiment, en termes de constru, c'est vraiment un gros changement pour la constru, parce que tu peux faire des tout petits trucs et c'est vraiment cool. Voilà. Je tenais à vous en parler parce que moi, c'est vraiment la fonctionnalité que je retiens de la mage. Je vais donner mon avis tout de suite sur le DLC parce que quand même, je vous le dis, c'est un peu du vol. Le DLC enfin Amérique du Sud, par rapport à ce qu'ils sont capables de fournir habituellement, c'est un peu du vol. Je vous montre pourquoi. Après, on va se lancer dans la constru, mais je voulais donner mon avis parce que par rapport aux autres DLC, je trouve qu'ils ont vraiment fait la version hyper light. Déjà, en termes de décoration, il n'y a que ça. Donc c'est un peu abusé. Habituellement, il y en a 3 pages, là, il n'y a que ça. Et en termes de construction, ils ont... Pour dire, ouais, on a mis plein d'assets. En fait, ils ont mis tous les assets en double dans une version colorée et non colorée. Dans le sens où, je vous montre les pierres ou les murs. Tiens, on va montrer un mur. Vous avez le mur de pierre qui est là. Voilà. Qui est sympa, mais voilà, c'est un mur de pierre. Et vous avez la même version colorable. Donc en fait, ils annoncent 300 assets et en fait, il y en a 150. On paye la mage gratos. Ouais, je suis d'accord, Neutrino. On paye la mage gratos d'avant. Et donc, vous avez un mur que vous pouvez pas reteinter, et vous avez exactement le même mur que vous pouvez teinter de la même couleur. Enfin, même couleur, quasiment. Voilà. Voilà.
Donc, c'est un tout petit peu abusé de la part de Frontier. Là, ils ont un peu merdé. Enfin, ils ont un peu abusé. Mais comme dit Neutrino, on paye la mise à jour. On paye la mise à jour gratos, c'est clair. Bref, il n'empêche que c'est vachement sympa, tout ça, tout ça. Alors, il y a du bambou, il y a plein de trucs. J'allais demander gratuit ou pas. Non, combien? 10 euros, Manu. Alors, pour être très honnête, je l'ai eu gratos parce que Frontier me l'a offert. Mais ça m'empêche pas de vous dire que c'est des voleurs. Pour le coup, c'est les voleurs, n'exagérons pas quand même, on va pas exagérer, mais qu'ils auraient pu faire un effort. Mais non, c'est 10 euros, c'est 9,99 je crois, la DLC, comme d'hab. Pour moi, le modèle de jeu à DLC, pas fan du tout, pour une raison simple, quand tu es nouveau et que tu veux lancer. Mais non, t'es pas obligé, Space. T'es pas obligé. T'es pas obligé d'acheter les DLC. Tu peux très bien faire tes trucs sans les DLC. Simplement, les DLC... C'est le petit bonus à chaque fois, voilà, pour ton jeu. Tu dis, ah, tiens, la map Amérique du Sud, ça me plaît, je prends. Hop, allez. Et puis la map Arctique, ça m'intéresse pas, je prends pas. Hop. Tu vois. Bref, bon, je vais pas m'étendre sur le côté, on a été un peu des escrocs sur la mage, mais voilà, vous avez compris mon avis. Sur ce, l'idée, donc, sur cette zone-là, il va se passer plein de trucs, mais ce soir, on s'occupe des jaguars, parce que quand même, le jaguar, il est magnifique. Et donc, sorry, je rigole. Pour, mais c'est des voleurs. Bah, Neutrino, même s'il me l'a offert, je me sens en droit de le dire dans le sens où je l'aurais payé si jamais il me l'avait pas offert, je l'aurais acheté, je le voulais, tu vois. Je l'aurais acheté. Mais en l'occurrence, quand la moitié des assets sont des assets qui sont des doublons des autres, voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bref. Donc. Jaguar, le Jaguar sera le clou de la zone, donc il va aller tout au bout. Pourquoi il va aller tout au bout? Parce que j'ai travaillé comme un petit fou. Vous allez tous avoir la mâchoire qui tombe, j'espère. Je suis très très fier de moi. C'est la façon dont tu le dis qui m'a fait rire. D'accord. J'ai travaillé et donc pour l'entrée de la zone Jaguar, j'ai construit voilà le Quetzalcoatl, la tête du serpent à plumes en pierre. Alors en pierre colorable, donc il va aller genre, il va aller à peu près par là, je vais le poser à l'arrache pour l'instant, on va l'ajuster après, mais il est fait 100% de pierre colorable, pour la simple et bonne raison, ah mince d'ailleurs j'en manquais, il m'en manquait un bout là, pour la simple, je me suis éclaté, hein. Je me suis éclaté, pour la simple et bonne raison que je veux après pouvoir faire des variations dans la teinte de pierre, pour que ce soit un peu plus naturel, il y aura de la végétation dedans, etc., etc., etc. Je me suis éclaté à le faire. Vous vous doutez bien donc que les spectres tombent de mon fauteuil, c'est super. Ah ouais, je me suis amusé. Et donc du coup, les visiteurs vont passer par là et vont accéder à la zone, évidemment. Bonsoir, Okunda. Bref, je le mettrai sur le workshop, ça. C'est la première fois que je vais mettre un truc sur le workshop, mais je le mettrai sur le workshop si jamais ça vous intéresse. C'est que de la caillasse, hein. C'est que des cailloux, il n'y a pas de, c'est pas pré-made, il n'y a rien, c'est là, tu vois, les dents, il y a deux, voire trois cailloux, là, il y en a deux, là, il y en a trois. Voilà, hein? J'y ai passé, honnêtement, j'y ai passé. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps, Manu. Je sais pas combien de temps j'ai passé, j'ai mis 4 heures à le faire, je crois. Un truc comme ça. Mais bon, bref, l'essentiel était, je voulais, en fait, ah non, bah non. Non, non, non. Erreur de ma part. Parce que j'ai enregistré mon plan, mais avec des pièces séparées. Donc, on groupe tout. Voilà. C'est bon. Je voulais, en fait, que quand il... Alors, mon point de jonction est un peu loin. Annulé. Ne fais pas ça. Ah, mais il m'a mis des arbres avec. Bah oui, forcément. Je l'ai groupé avec des arbres, couillon que je suis. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Je me disais, le point de jonction est un peu loin. Enfin, le point de manipulation, pardon. Oui, donc ce que je disais, voilà, c'est que je voulais que quand les visiteurs arrivent là, ils aient. Alors, il va y avoir des temples des deux côtés, hein. Il va y avoir des temples, machin, par rapport aux. Qui vont être des commerces, qui vont être plein de trucs. Mais je voulais qu'ils aient une visu sur l'objet final tout au fond. Et salut, Demon. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis donné du mal. Je voulais une pièce maîtresse en fait, que j'ai pas fait encore. Sur aucun des autres, j'avais fait les bâtiments, mais j'avais pas fait de pièce maîtresse. Donc voilà, me voilà content. Je suis content. Ma femme vient de dire, allez, va rejoindre ton HKNMS du hashtag du cœur, va le rejoindre. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je suis navré, Gorzak. Alors du coup, on va le centrer parce que l'idée, c'est quand même qu'il rentre par là.
pas jusqu'où je vais. Je vais jusque là. Peut-être je vais jusque là, à peu près. Parce que je me méfie parce qu'ils ont tendance vite à croiser, à passer leur chemin, c'est le cas de le dire. Ouais, et après je vais avoir un peu de végète de chaque côté. Par rapport au relief, on est pas mal. Ça le fait. Ça le fait. Et donc du coup, on va s'occuper de l'habitat. Alors, qui sera à moitié montagneux, mais on va quand même en faire une partie. Alors, on va voir pour l'allée si je peux faire une allée large à cet endroit-là ou pas. Bon, comment allez-vous en ce samedi soir? Vous trouvez pas qu'il fait un temps de taré quand même? En vrai? Voilà, c'est cette largeur-là. Hop. Ouais, mais alors par contre... J'ai dû me mettre en tunnel et pas en... Hop, il va falloir que je creuse parce que l'idée c'est pas d'avoir un... L'idée c'est pas d'avoir le... Allez, descends, voilà. C'est pas d'avoir du terrain. Non, c'est pas ça que je veux. L'idée c'est d'avoir une zone à peu près ouverte quand même. J'ai fait si grand que ça. J'imagine un, je sais pas, j'imagine un, plus ou moins un accès à un temple directement, un truc un peu que ce soit open, mais que ce soit directement un temple et après on a l'habitat. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas, on va aplatir complètement pour l'instant. Voilà. J'imagine qu'on va avoir un... Peut-être que mon chemin est pas bon d'ailleurs. Qu'on va avoir le temple à ce niveau-là en fait. L'entrée du temple. Avec une zone belvédère, machin, tout ça. Et donc du coup, ça va être surélevé forcément. À minima. Par contre, du coup, est-ce que je peux le faire? En aller, si je prends celle-là. Hop. Alors c'est un cran d'après, a priori. Ça fait ça. Voilà. Bon là j'ai mis la plus petite. Le but du jeu étant juste d'avoir une petite rampe. T'as en plus le soleil est pile dedans. Ah ouais, ça va être stylé. Ça va être stylé. Il fait un temps de taré, ouais hein. C'est abusé hein. C'est abusé. Donc, après il va falloir que à un moment donné. Alors, le bon matos, là on s'en fout parce que ça va être recouvert, mais on va quand même mettre en béton. Enfin en asphalte. Tac. Alors, hop. Ici. Il faut que je sois à peu près logique dans mon délire. C'est-à-dire que là, on va avoir l'entrée du temple. On va faire un raccord machin. On va avoir l'entrée du temple. Et après, il va forcément y avoir une partie visible. Alors, est-ce que c'est là, directement, pour la visibilité, au plus près? Peut-être qu'on va pas trop loin, histoire de pas les épuiser. Faire ça comme ça. Par contre, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ça, ça le fait. Comme ça, il va falloir qu'on atterrisse, qu'on aplanisse le terrain. J'ai pensé à faire la petite marche d'escalier, oui, carrément. Carrément. J'ai juste un souci avec le coup du tunnel là. J'aurais peut-être pas dû faire un tunnel, mais on ouvre et puis on va se rattraper après. Parce que j'aurais pas dû faire un tunnel ici. Parce que ça m'a creusé le. Tu vois, ça m'a creusé le terrain. Donc. Hop. Ça fait ça. Ça va être les cités d'or, mon truc. Ça va être un truc de taré, je vous le dis. Ah mais j'ai pas... Lâche-cœur.
cache-cœur. Si tu désactives pas le tunnel, ça le fait pas. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. T'as pensé à faire? Oui, j'ai pensé à faire. Donc le petit escalier. Alors est-ce que je le ferais pas en deux temps d'ailleurs? Est-ce que je referais pas un escalier là? Ce serait pas mal ça. Ouais. Donc ici. Ici. On peut arriver à. Voilà, c'est ça. Ah mais là ça me fait un arrondi, ça me plaît pas. Voilà, et là c'est bon. On va le faire en deux niveaux, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Un mètre, ça devrait être bien. Histoire de pas en mettre 5. Ouais, 2 mètres. Ouais. Là c'est pas bon, et là c'est pas bon. Il m'en faudrait un de plus, donc on va le garder comme ça, sauf qu'on trichera, on fera des escaliers plus grands en fait. On fera des escaliers sur toute la hauteur. On va faire ça. Je le sens bien. Tac, et là on met un peu plus grand. Oh, bah non. Le jeu, il veut pas faire comme je veux. Je suis très très déçu. Tac, et tac. Fais ça. J'essaye de voir en même temps ce que ça va rendre. Mais je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Temps superbe en effet, on aimerait pourtant que tout redevienne normal. Travail à mi-sortie. À fond les cités d'art. À fond qu'on aimerait que ça. Mais ça va venir, il faut qu'on soit patient, ça va venir. Tac. Et là, vu qu'on est sur un visu, ouais, on va faire plus large. Non, je vais pas faire comme ça. Faire comme ça. Ça sera la zone de visibilité du Jaguar. Est-ce que je fais plus large ou pas? Je pense que non, honnêtement. Non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Comme ça, là, ils vont arriver. La pierre, machin, tout ça. Ça, ce sera une zone plein air, en fait. Et après, il y a le temple qui est là. Encore plus pour nos petites entreprises. Ah bah ouais, non mais à fond. Je vais probablement faire une largeur de plus. Je vais faire une largeur de plus. Et salut Pierre, bonsoir à toi. On est dans la phase planification là. On fait le plan de l'affaire. Tac. Sachant que je suis en train de penser qu'après il va falloir que je monte le terrain. Ouais, c'est bon, ça le fait. Voilà, et. Non, parce que c'est les cités d'or quand même, tu vois. Ouais, ça paraît bien. Ça paraît bien. Et après, donc du coup, faut que je mette mon terrain au maximum. Ici. C'est plus haut. Ça a l'air d'être plus haut. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est à bonne hauteur. Ok. Tac. Alors pour ceux qui font du qui font du qui font du scrap du Planet Zoo, et ben je suis loin d'avoir ce niveau, dit Mathieu. Ah, il faut le temps. Belle perspective visiteur de l'entrée. Ouais, à fond. Hein. Et bonsoir Evan. Pour ceux qui font du Planet Zoo, par rapport au terrain, je vous donne une astuce. Alors c'est mon astuce perso et c'est comme ça que je joue, mais après peut-être que c'est pas la bonne. En fait, avec l'outil pour aplatir le terrain, pour le mettre à niveau. C'est-à-dire pour le mettre à l'horizontale. L'outil est super pratique d'un point de vue général en fait. C'est-à-dire que quand tu prends des hauteurs intermédiaires, tu arrives à faire des trucs un peu naturels. Alors là, en l'occurrence, je suis trop près de mon, je suis trop près de mon chemin, mais tu arrives à faire. C'est comme ça que j'ai fait cette zone-là en fait, ici. Et tu arrives à faire des trucs plus ou moins naturels parce que tu attrapes différents niveaux. Et tu vas pouvoir comme ça sculpter le truc. Et c'est plus facile qu'avec l'effet blob.
qui a tendance à vite faire des trucs un peu dégueux. Si en fonction de comment tu gères, là ça va à peu près. Mais donc voilà, l'outil horizontal peut avoir vraiment une belle utilité, je vous le dis. Bonsoir, Iki. Bonsoir à toi. Bon, et on est pas mal. La visibilité se fera que vers l'avant, de toute façon. Elle se fera à partir d'ici. J'aurai une vitre ici en fait, à cet endroit-là. Sur l'extérieur, il va falloir qu'on y mette un peu de terrain. Donc on va bosseler un peu le terrain pour que ce soit pas complètement lisse. Et on va essayer de rattraper le niveau qui est là, à un moment donné, pour fermer un peu la zone. Donc là, on va créer une hauteur. Ça, j'en ai fait très très peu du terrain en live, en fait, quand j'y pense. Donc là, je monte pour avoir la hauteur que je veux. Faut que j'en mette plus. Voilà, ça va être mieux. Tu vois, ce truc-là très vite tendance à te faire des promontoires, c'est un peu. Donc ça, c'est la limite de mon habitat à peu près, pour pas que ce soit trop loin. Voilà. Hop. Quitte à avoir une clôture en délit. Il faudrait que je pense par contre à l'accès du soigneur. Tiens, HQR, tout à l'heure, j'ai galéré pour mettre un panneau solaire au-dessus d'un bâtiment. Impossible de bouger le bloc sur les trois axes. Si, 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 shift, shift, Mathieu. Quand tu places un bâtiment, peu importe, service, quand tu places ton panneau solaire, en fait, par défaut, il se pose. Attends, on va désactiver ça. Par défaut, il se pose au sol et après, avec shift, tu peux le monter. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, on est en train de travailler sur l'habitat du jaguar. Tac. Alors par contre, faut pas se faire avoir parce qu'avec la perspective, tu peux très vite être loin. Non, c'est pas comme les objets, tout ce qui est sur gris, c'est avec Shift. Je pense qu'il va aimer jouer un peu sur les collines. On verra, mais. Hop. Je vais pas lui mettre d'eau. J'ai pas vérifié. Il faudrait que je vérifie avant quand même. Je vais vérifier sur la zoopédie. Le jaguar. Je l'ai pas le jaguar? Il est là, pourtant. Est-ce qu'il a besoin d'eau? Non, il n'a pas besoin d'eau. Par contre, il a besoin de structure d'escalade. C'est ça. Et 705 mètres carrés. Ok. Allez, jeunes gens, je vais regarder Thor, le monde des ténèbres. Ça marche, Chirub. Bon film, je suppose, du coup. Je pense que c'est un film. Tac. Il faut qu'on rattrape jusqu'ici. Dans un premier temps, tu fais tes volumes grossièrement et après tu vas pouvoir travailler sur le détail, en fait. J'en ai peut-être fait un tout petit peu au début du terrain, quand j'y pense. Si on avait cet outil-là dans No Man's Sky. Ah là là. Je veux dire cette qualité d'outil-là, j'entends. Ah,
juste penser qu'à un moment donné, il va pas falloir qu'il s'échappe. Il va falloir qu'on gère ça. Tac, monte un peu. Voilà. Sachant que dans l'idée, il faudrait qu'il y ait plus ou moins des plus ou moins des ruines. C'est mon idée en tout cas. Comme s'il habitait dans une zone dans une partie ruine. Bonsoir Kalim. Anti-escalade 3 mètres. Ok. C'est haut. On va peut-être poser le début de la clôture pour voir un peu. Déjà pour voir la surface, j'ai dit combien? J'ai dit 700 mètres carrés, je crois. Ouais, c'est ça, 700 mètres carrés pour l'animal. Ok. Alors. Clôture. Clôture en verre. Clôture en verre, c'est anti-escalade. Et salut Jérém! Comment tu vas? Avec des ruines, tu as de quoi faire un truc hyper stylé. Ah mais à fond, à fond. Et probablement que j'utiliserai un petit peu, contrairement à d'habitude, j'utiliserai probablement un petit peu les bâtiments fournis par par le jeu, dans le sens où pour faire des ruines, ça vaut le coup. J'ai pas besoin d'être créatif sur toutes les ruines. Genre, je vous montre un peu vite fait quand même. Je vous montre à quoi ça ressemble. Construction, thème Amérique du Sud. Alors pas celle-là, voilà, ce genre de truc. Bon là ça prend un peu de temps mais... Vous voyez le genre de bâtiment là? Du coup j'ai pas forcément besoin, alors je vais pas mettre ça, hein, mais j'ai pas forcément besoin d'être créatif à 4 milliards de pourcents pour les ruines que le jaguar va coloniser, c'est ça que je veux dire. Je vais être créatif sur mon bâtiment de vue, de... Ouais mon bâtiment quoi. Mais pas forcément sur l'ensemble du... On va voir. Tu m'as dit 3 mètres. Ok. C'est 3 mètres, ce qui est pas très élevé rapport au... Alors faut que je pose une dalle pour voir. Alors tac. Comment il va Microsan? Jusque là, en gros, puisqu'il va y avoir un rebord. Ouais, on va monter un peu, histoire de ne pas des sauvages. C'est où? C'est là. Comment va l'ami Microsan? Ouais, donc on est quasiment à la hauteur. Ok. Faudrait que je monte probablement un peu plus, mais... Alors, on va en rajouter un tout de suite ici. D'être, on essaiera de faire trois parties à peu près symétriques. Enfin, à peu près pas symétrique, mais à peu près égal. Donc sur cette partie-là, c'est du vert. Ensuite, sur la partie ici, compte tenu du fait que de toute façon, il y aura, ce sera un mur aveugle, on n'est pas obligé de mettre du vert. On peut mettre de la pierre tout simplement. Sachant qu'il faut que je fasse attention qu'il puisse pas aller n'importe où. Donc attends, c'est par rapport au aligné sur le au irrégulier au plat, c'est ça. Il faut que je vais jusqu'où? Je vais jusque là en termes de terrain. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'une clôture, elle va pas être belle derrière? Faudrait que je fasse une falaise abrupte derrière pour être sûr qu'il puisse pas sortir. Ce serait un truc comme ça. Et donc, si là je fais un truc comme ça, on perd un peu d'espace, c'est dommage. Sauf que là, si je le fais là, ça va être l'enfer. Ils vont vouloir sortir.
On va le faire tout en vert pour l'instant et on va voir comment on gère parce que y a des risques de se mettre en galère. Et là, du coup, en fait, c'est vers le haut que je devrais être. Comment je fais? Réfléchis, HK, hein. Tu vas la mettre à ton entrée perso. Bonne question, elle va être probablement par là. Elle va probablement être dans le coin. Très bonne question. Elle va être par là, a priori. Je pense que ce sera un accès dernier temps, c'est-à-dire qu'ils passeront par là, le personnel, et ils accéderont, tu sais, ils auront leur accès privé là. Par contre, si je veux qu'ils puissent avoir accès à une partie du terrain, mais que je veux clôturer, ça veut dire que soit je clôture très loin derrière, et c'est merdique, soit je fais une falaise pour être sûr qu'ils peuvent pas sauter. C'est-à-dire que sur la partie arrière de mon relief, je me remets à zéro, et comme ça, je suis tranquille. Ça va pas être joli du tout, par contre, si je fais une fausse montagne. Parce que genre, il faut puis une clôture sur le truc, c'est pas beau. Bah, ceci dit, c'est pas loin d'être une falaise quand même. Là, ils peuvent pas sauter, je pense. Je sais pas trop comment je gère mon truc. Ou alors je limite en partie ici, mais ça va pas être beau. Je mets du grillage. Parce que le grillage, c'est le plus discret, en fait. Si tu... Tac, clôture. Prendre le grillage. Grillage électrique, non, on va pas déconner. Grillage, résistance niveau 2. Vitesse de délabrement faible. Semi-transparent, peut-être escalade. Attends, peut-être escaladé, donc c'est pas bon. Vas-y, on va le faire tout en vert, et puis on verra après. On va faire ça. Je fais une clôture et après on gère. Ouais, peut-être un mur, Jérém, mais je voulais pas. Alors, on fait la clôture dans un premier temps dans l'esprit de ce que j'avais. Et après on va gérer. Parce qu'il y a peut-être un moment où je vais être obligé de faire des constructions, en fait, si ça se trouve. Tu vois? Tout du long. Parce que moi, dans mon idée, c'était ça. C'était de dire, on leur donne un peu accès au relief, mais pas trop. Mais peut-être que c'est pas la bonne idée. Déjà, on va vérifier la surface. Je peux avoir la surface là? Ah non, il faut mettre la porte. Tant que j'ai pas mis la porte, ça marche pas. Alors, il faut que je mette mon terrain à la hauteur du... Ici. Non, pas du tout. Ça doit être ça. Tac. Là, je mets ma porte du personnel. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il faut que ça aplatisse le terrain. Je suis trop. Le terrain est pas plat. Alors, attends. J'ai un problème de terrain. Ah, ok. C'est ici en fait que je dois choper. Ça a l'air d'être à peu près ça. Là, on grattera après. Alors. Ça dit quoi au niveau du chemin? C'est la cata? Bah oui, c'est carrément la cata. Faut que j'enlève la clôture. J'enlève le morceau et que je fasse une zone vraiment plane. Pour que ce soit propre. Ça fait ça. Ceci est un message légal sponsorisé par Buzz Corporation. Qu'est-ce qu'il y a pour votre santé? Manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Pourquoi tu dis ça? De quoi on parle? Voilà, là c'est plat. C'est pas plat partout, mais c'est à peu près plat. Ok.
Moins gros et tunnel. Pour le coup, tu vois que ça va jamais passer. Là, c'est bon. Alors, ça accroche, mais ça accroche pas du tout comme je veux, donc on va mettre un cran de plus. Alors. Comment ça? Bien sûr que si. Ah, c'est à cause de la taille des carrés. Ah, je déteste ma vie. C'est à cause de la taille des carrés. Et je peux pas faire autre. Ah, si, là, ça passe. Attends. Là, ça passe, mais ça m'arrange carrément pas ici. C'est pas fou, là, hein? Et si je passe là? Là, c'est pas bon. Et là, il veut pas l'accrocher entre les deux. Ok, John, allez. Débrouille-toi, mais faut que ça passe. Si je fais une extension droite, c'est pas bon. Aligné sur une demi-grille, c'est pas bon. Là, il passe parce qu'il y en a trois. Il y en a plus que deux. Et là, il passe pas. Okay. Il aurait fallu que ma grille soit plus petite. Alors attends, on va le faire autrement. On va le faire autrement, pas de panique. Si je fais comme ça, ici. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Ici. On avait mis quoi? 1 mètre, hein? 2 mètres. Voilà. C'est le moment le plus tricky, ça. Les chemins, c'est. Tac, tac. Voilà, ça va le faire comme ça. Et là, on va y arriver après à caler notre truc. C'est bon. C'est la taille de mon unité de base, a priori, qui pose problème. Sauf qu'en distance, je suis plus bon. Ok. Ok, John. Ok. Alors. Je ne suis qu'un débutant, vous savez bien. Voilà, là, c'est bon. Et là, normalement, ici. Voilà. Perfect. Nickel chrome. Alors c'est pas super méga droit, mais ce sera bien caché, donc personne ne le verra, hein? On se dit ça? Ouais, on se dit ça. Ah, quoi que j'aurais pu faire, attends. Si je suis un peu chaud bouillant, voilà, nickel. Et là c'est propre. Perfect. Est-ce qu'il est trop mignon ce petit escalier? T'as vu, hein? Ça rigole pas, hein? Et normalement, si je suis pas trop un sauvage, je devrais arriver à en mettre un deuxième, sinon va falloir qu'on se débrouille depuis loin. Non, ça fait trop loin. Donc on va se débrouiller pour que ça le fasse. Là, ça doit passer. T'as, il veut pas, c'est horrible. J'aime pas ce jeu. Ça veut dire qu'il faut que je baisse aussi celui-là. Mais je vais jamais. Ah si, je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Logiquement, là, ici. Alors toi, tu te pousses. Voilà. Toi, tu vas là. Il faut connaître par cœur les défauts du jeu pour que ça marche en fait. Parce que le jeu a des défauts, je vous le dis. Voilà. Tac, tac. Et d'ici, quand je sors la grille, logiquement, vu qu'on est à la bonne hauteur, voilà, ça passe. Nickel. Hop, et largeur, ça passera. Ok, c'est bon. Là, là, je peux remettre mon bout de chemin et je vais pouvoir ajouter mon chemin ici, normalement. Bonsoir, Emric! Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà! Eh, elle est pas belle la vie? Bon, là, il est beau, mais.
elle est pas belle la vie en vrai. J'ai l'impression d'avoir. Et j'espère qu'on va pas se taper une canicule, je vais péter un câble. Un de plus ou pas? Oui, un de plus, hein. Voilà! Je pourrais même en mettre deux de plus si j'étais un. Mais non, c'est bien trois. Ça a l'air très paisible ce Planet Zoo. Qu'il sorte un DLC Belle Maman. Promis, j'achète. Comment ça, Belle Maman? De quoi on parle? J'ai pas compris. Ah! Pour faire un habitat pour ta belle maman, c'est ça l'idée? Du don, quand même. C'est pas très gentil. Et là, bizarrement, ça passe. Et là, ça passe pas. Ok. Bon, n'hésitez pas entre temps. Hein. Si vous avez des choses à dire, même sur No Man's Sky, tout ça, je suis tout à fait disponible. Là, lui, il décale un peu. Voilà. On va être bien. On va être bien, je vous le dis. Une fois qu'on va être lancé, on va être bien. Là, pour l'instant, on est sur la config de base. Mais on est pas mal. On est pas mal. Et même pour être vachement bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper... alors, hop. Là. Histoire de faire un truc bien symétrique et que je sois pas en mode parano. Donc là c'est bon. Et de l'autre côté, c'est bon aussi. Donc il me faut 1, 2, 3 ici et ici. Là on aura les deux poteaux et on est bien. Non, parce qu'on n'est pas sorti du sable quand même, hein, mine de rien. Dites-vous que je vais faire aussi un habitat pour lama, mais alors ce sera pas ce soir, mais... Il y aura aussi un habitat pour les lamas, qui va tout déchirer, vous allez voir, je vous le dis. Donc là, le premier, il est là. Voilà. Oh là là, ça se fait tout seul. C'est beau. Ah, et là, il y a une petite jonction complètement foireuse. Alors, je peux bouger lui ou pas? Non. Ouais. Voilà. Il faudrait que... Le problème c'est que si j'enlève la porte... Ah allez, je suis joueur. Je suis joueur. Comment ça? Bien sûr que si. Ah, c'est le chemin qui pose problème. Je suis très très joueur. Et je suis surtout très très maniaque. Ici. Non, lui. Voilà. Et... Grosso merdo, c'est ça. Voilà. Eh. Que demande le peuple? Nickel. On va sortir les crèmes glacées le soir du 24 et les mechas. Surtout les mechas. Donc on est bon. Pour ce morceau-là, on est bon. Donc là, ça les fait aller vachement loin. Donc peut-être que je vais ramener un peu la clôture par ici, s'il n'y a pas besoin qu'ils aillent si loin. Donc ça veut dire qu'il faut que je ramène du terrain. Alors, hop, on va supprimer ce morceau-là. Et ce morceau-là. Voilà. Ok. Attends. Si, non, c'est ça. Ok, et... Non, là, c'est en inverse. Ok, c'est à peu près ça. Voilà. Fais ça tout de suite, donc on parle. Ton petit chemin, il va à la porte, doit être typé personnel. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé, Neutrino.
C'est dans le risque, c'est quand tu fais un chemin qui risque d'être pris par les comment ça s'appelle? Par les spectateurs, par les visiteurs, mais qu'il y a un objectif pour les visiteurs. Là, en l'occurrence, il y a un objectif qui est uniquement pour le personnel, donc les spectateurs, enfin les visiteurs, vont pas aller là parce qu'ils n'ont pas d'objectif pour y aller. C'est si ton chemin il emmène à plus qu'un objectif personnel, là oui t'es obligé, si tu veux pas qu'il passe. Mais là, vu que c'est un chemin unique, t'es pas obligé. Je le fais d'habitude, mais là en l'occurrence, ouais, je pourrais, Neutrino. Allez, allez, pour te faire plaisir, parce que c'est aujourd'hui. Voilà, c'est fait. donc, clôture. Donc là, la clôture de verre, normalement, de toute façon, elle est compensée, enfin, elle est remplacée par le fait que c'est dans la roche, donc ils peuvent pas passer. Donc ça, c'est bon. Et là, c'est fermé ici. Ok. Donc ce morceau-là, on le met complètement dans la roche. Si on peut. Voilà. Là, ils peuvent pas passer. Clairement. Il y a plus que. Ça fait quelle hauteur? Fait quelle hauteur? Ah, ça fait 3 mètres. C'est peut-être un peu juste. On va prendre un peu plus grand. On va mettre à 4 pour l'instant. Ouh, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça va bien se passer. On se met à 4 mètres. On est bien. Alors, là on est bon. Pour toute cette partie-là, on est bon. Limite, j'aurais pu faire du terrain jusqu'ici, mais je vais me garder cette partie-là. On verra. On verra. On verra, on verra. Ici, ils peuvent pas monter, donc c'est dommage. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire. Sur cette partie-là, on va leur mettre. Putain, le problème, c'est que c'est super haut, quoi. Si je leur mets 4 mètres à cet endroit-là. Parce qu'il faut les compenser après. Si je mets une ruine ou quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je compense cette hauteur-là. Si je les autorise à aller ici, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mur de pierre et ça va pas être joli. Tac tac tac, là ils peuvent monter. Là ici c'est déjà bon. Là je vais mettre le terrain, je pense. J'enlève ce morceau-là. On va le poser là pour l'instant. Comment ça, je peux pas? Comment ça, il veut pas? Pourquoi? Là, allez. Allez John! Il veut pas tout le temps, c'est bizarre. Ça de toute façon ce sera à la fin, ce sera de la clôture invisible techniquement. Ici il peut pas passer, donc on est bon. Bon après peut-être que je peux... Là je peux mettre de la ruine, c'est possible, sur cette partie-là. Donc là, on peut le laisser comme ça, éventuellement. Là, ils vont passer, mais alors du coup, faut qu'on mette une ruine. Ici, ils passeraient. S'ils vont passer. Ouais, ça va être tendu. Ça va, je vais galérer.
La musique est chouette, c'est celle du jeu ou bien c'est toi qui l'ajoutes sur stream? Ah non, non, c'est la musique du jeu. La musique du jeu. On va partir du principe que sur cette partie-là. Hop, jusqu'ici. Ils pourront pas passer. Ça monte jusqu'ici, techniquement. Ce serait ça dans l'idée. Tac, tac. Ici, ça peut descendre. Ici, il pourra pas venir, donc c'est bon. Et dans cette partie-là, là, faut que je fasse de la falaise en fait, pour être bien. Mais il faut qu'un. Si je veux pas mettre de la clôture électrique, clairement. Peut-être on va remonter le terrain un peu ici. Voilà. Pour qu'il puisse pas passer partout. Je suis pas sûr de mon coup, on verra bien. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Donc là, il faudra que je l'empêche de passer. Là, il faudra que je l'empêche de passer, donc ce morceau-là, il faut que je le remonte. Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bonsoir le Sphinx. Mais on va y arriver. On va y arriver, de toute façon, on va tenter, et puis au fur et à mesure, on va ajuster, hein. On va les prendre, c'est sûr. Par contre, du coup, faut que je me fasse tout de suite les bâtiments du personnel. Alors, les bâtiments du personnel, je les mettrai bien planqués quelque part dans le coin. Sur l'autre map, je les ai mis carrément dans la falaise. Je pense que je vais faire pareil ici. Genre, un accès ici, là. Là ou plus loin. Alors, on va les mettre dans la falaise à cet endroit-là. On mettra un pseudo-temple à cet endroit-là. Ou même ici, tiens. Le temple qui sera ici, ce sera le personnel. Ouais, on fait ça. On fait ça. Donc, il faut que je prévoie quoi? Il faut que je prévoie soigneur, mécanicien, vétérinaire. Ça doit être ça. On est comment? Alors. Hop, allez. Y a un petit peu de travail de préparation avant de coller les animaux. Non, c'est celui-là que je veux. Ouais. Hop, je suis centré là. Ouais, quasi. Tac. Voilà. Je vais refaire la même erreur. Je suis parti pour refaire la même erreur là. Donc. Ah, j'ai annulé un truc. Merci. Ah, flûte. Je vous laisse. Suite de The Mandalorian. Ouais, ça marche, Manu. Profite. Profite, profite. The Mandalorian. Ça cartote. Ça cartote. Vivement la saison 2. Vivement la saison 2. Ouais, genre c'est par là, quoi, à peu près. Hop, 50 cm de haut. Enfin, 1 mètre de haut. 2 mètres de haut. Ouais. Là, c'est juste pour le personnel, dites-vous. Voilà. Allez, pourquoi j'y arrive là? Tout à l'heure, j'y arrivais pas. J'y arrive sur un et pas sur les autres. Va comprendre, John. Là. Parce que je l'ai pas fait en entier, peut-être. Parce qu'il y avait du terrain. Ah, c'est parce qu'il y avait du terrain. S'il y a du terrain, il accepte de le faire. Ok! J'aime beaucoup cette idée. Terrain.
pense que c'est ça en fait. Donc si je vire mon aller. Bon, ça c'est pas grave. C'est un peu précaire, mais c'est pas grave. Terrain ici. Voilà. Et là, je dois pouvoir refaire ce que j'avais fait. Ah ouais, vraiment, t'es comme ça, le jeu. On va pas se prendre la tête. Dans ce cas-là, on va le faire comme ça. Tac. Espérons qu'on y arrive. On va pas se prendre le chou, hein, quand même. On n'est pas des sauvages. Donc là... Va comprendre pourquoi il t'en fait un. Il y a des trucs pas clairs. Et là, il me l'annule en entier. Mais c'est n'importe quoi. Comment ça se fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, dans tous les cas, ça fonctionne, donc c'est cool. Tac. Bon, bah ça marche. Va comprendre pourquoi, John. Donc j'agrandis un peu pour pouvoir poser mes bâtiments. Hop, tac, voilà. Comment ça? Oh lol. Mais non. Ah putain. Putain, c'est vraiment une joke. C'est vraiment une blague. Ok, c'est bon. On a Maya partie. On a Maya partie avec le jeu, ouais, à fond. Ah ouais, ça aussi, des fois tu veux un carré de 3 sur 3, des fois ça colle, des fois t'as la barrière entre chaque carreau. Ouais, ouais, non, non, mais le jeu, il est, je l'ai dit, hein, le jeu il a ses défauts et des fois, c'est même pas des défauts. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu comprends pas ce que le jeu fait. Tu dis ok, d'accord, t'as envie de le faire comme ça, je veux bien, mais pourquoi? Tu vois? Tu ne comprends pas ce que le jeu il fait en fait. Et là, il m'a mis du terrain. Qu'il faudrait que je récupère du coup, que je peux pas mettre. Ah, il a vraiment fait un truc complètement chelou. Bon, peu importe pour ça, mais il a fait vraiment un truc complètement bizarre. Allez, on pose nos bâtiments pour le personnel. Parce qu'il y a un temple ici quand même à la base. À la base. Alors, locaux du personnel, il nous faut un atelier, oui, un soigneur, oui, et une salle du personnel, en effet. Donc... salle du personnel au milieu. Petite salle du personnel suffira largement. Ah, des fois le jeu il fait ce qu'il veut, mais vraiment quoi. Voilà. Atelier, atelier. Ouais. J'hésitais, mais... et le centre vétérinaire, c'est trop grand. Et le soigneur. Le vétérinaire, ça va être un vétérinaire ailleurs. Le jeu est mort, il n'y a que 23 723 joueurs sur No Man's Sky, c'est vrai. Énorme. Voilà, bon, on est bon. On crée une zone. Alors, on crée une zone de travail qui s'appelle Ra. Qui s'appellera. Voilà. Qui s'appellera la zone Jaguar. On va les avoir, nos jaguars. Voilà. Ça le fait. Ok. Normalement, j'ai rien oublié. Et donc, on embauche du monde. Alors, un soigneur. Un mécanicien. Quoi le truc? Et c'est tout? C'est tout le vétérinaire? Ouais, non, on va prendre un vétérinaire. Il a pas de cabinet pour l'instant, mais on va prendre un vétérinaire quand même. Ok, on est bon. Hey John, viens là. Oh, bah quand même. On va les laisser descendre. Voilà. Qui s'appellera, c'est ça? J'ai appelé mon nouveau zoo là, de la licence qui est sur la map.
sur la map. La map Amérique du Sud, je l'ai appelée Palinka. Comme palanque, palanque, qui est le nom d'un un site archéologique connu. Et puis un cas quoi, vous voyez? Enfin bref, je suis content de moi. Je suis content de mon, du nom de mon nouveau zoo. Quand tu veux, Jaguar. Voilà, on est bon. C'est bon, tout le monde est opérationnel? On est bon? On est bon. Allez, on va aller les chercher. On va aller chercher les jaguars. Alors, est-ce que c'est ouvert jusqu'au bout? Oui, c'est très loin, mais ce sera peut-être pas rentable ce soir. Mais on va aller chercher les jaguars et puis on va les mettre là. Et puis on va, puis voilà, puis on va aviser au fur et à mesure. Hein? On va se débrouiller, on verra bien. Alors. Parce qu'on a envie de voir comment ils sont beaux quand même. Je sais pas vous, mais moi oui, perso. Non, honnêtement, ils sont magnifiques. Je pense que l'habitat, on va avoir du, on va galérer pour le faire, mais ils sont vraiment très très beaux. Voilà. C'est peut-être trop tôt. Peut-être qu'il aurait fallu que je l'aménage un peu avant. Alors, vous avez le choix, les gens. Lol, je passe mon temps à me renseigner sur les Mayas, ça me prend du temps fou, mais j'apprends plein de trucs. Bah ouais, hein, t'as vu, Netrion. Vous préférez quoi? Le jaguar tacheté ou le jaguar noir? C'est lequel qui vous plaît le plus? Où tu trouves quels animaux peuvent être mis ensemble même sans bonus? Sans bonus, je sais pas, Mathieu, sinon c'est sur la zoopédie. Honnêtement, j'ai pas de. Alors, noir a dit Frédéric. Noir, ouais, je suis assez d'accord quoi. Je suis assez d'accord. Un beau couple de jaguars noirs, ce serait cool. Ouais, vas-y, on fait noir. Même, en même temps, le tacheté, il peut être tellement beau. Pendant que vous réfléchissez, je regarde vite fait sur la zoopédie. On est sur le jaguar, donc du coup c'est du prairie tempérée tropicale Amérique Amérique centrale quoi. Tempérée tropicale. Yep. Black, ouais, tout le monde dit noir, ok. Tout le monde dit le jaguar noir, ok. Ok, c'est bon, je vous écoute. On fait ça. Alors, ça c'est un peu cher par contre. Ah, la vache, il coûte une fortune. Ce truc de ouf. Bon, allez, vas-y, j'ai dépensé sans compter. Ça, c'est le mâle. On va aller chercher la femelle dans la foulée. T'acheter, c'est tellement évident. La femelle dans la foulée. On va prendre cette aile, elle coûte une fortune. C'est un truc de ouf. Fertilité basse. J'aimerais bien avoir des petits quand même. Ah ouais, mais ça coûte un bras quoi. Je peux même pas me l'acheter. En vrai. Ok. Ouais, les noirs, ils coûtent quand même vachement plus. Fertilité, ouais. On va attendre un peu pour la femelle en fait. On va en espérer qu'il y en ait d'autres qui pop. Donc on met play. Histoire qu'il nous le ramène. On va déjà poser. De quoi boire et de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe? Tortue à soif. Alors attends, tortue à soif, appeler le soigneur. Bon bah pourquoi, mais. Pas d'électricité pour le service, que se passe-t-il? Ah ouais, j'ai pas mis d'élec. Ah oui, fuck. Alors attends, pause. Pause, pas de panique. Où est-ce qu'on met l'électricité? S'il me faut un chemin pour l'électricité, on la met avec, on la met là, on la met dans cette zone-là. Ouais, c'est pas mal ça. Ça va être caché de toute façon. Alors, électricité. Ça couvre pas totalement. Ouais, non, ça couvre pas totalement si je le mets là. Donc ça m'arrange que moyen. Et dans l'autre sens.
c'est pas mieux non plus. Ok. Donc j'en mets deux. Enfin, je vais me mettre un petit là. Bon, alors du coup, ça me fout dans la mouise. Ça me met dans la mouise cette affaire là. Puis là, ça va pas. Ouais, on... ça va pas être joli là. Ça va carrément pas être joli. Et là, je peux pas faire de raccord. Oh, où est-ce que je le mets là? Ça y est, je suis. Ça y est, ça y est, je suis en colère. Là, ça va être moche. Ah, on va être embêté pour une bêtise. Comment je fais? J'ai ton chemin. J'aurais pu le mettre là. Mais il faut que j'étende le chemin, quoi. Ça va être merdique. Ça va être carrément merdique. Bon, John. Où est-ce qu'on met... Tu comptes mettre de l'eau? Non. On va mettre un générateur planqué. On va mettre un générateur planqué dans la montagne, là, entre les deux. On va faire ça. On va faire ça. Alors, allez. Non, non, je vais pas mettre d'eau. Pour les jaguars. Donc là je peux faire. Hop. Ouais, ça fait un trou gigantesque. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça fait pas si gros normalement. Ok. Du coup, ça va... Va falloir que je cache ça. Ouais, si, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, service. Non, ça passe. Sauf qu'il faut que je fasse deux fois. Voilà. Mamma mia. Service. Non. C'est ça. Hop. Dans quel sens? Attends. Voilà. C'est pas ça que je veux faire, nom de nom. Service. Oh, là, voilà. La vache. Tac, ce sera ici. Grosso modo. Et là, je pense que j'ai tout. Il y a une carte pour voir les enclos. Comment ça? Comment ça? Pourquoi il fonctionne pas? C'est quoi ton problème? Ah, mais c'est la pompe, putain! C'est pour ça que Neutrino m'a dit tu comptes mettre de l'eau. Je suis un boulet. C'est pour ça que Neutrino me dit, mais tu comptes mettre de l'eau? Ben non, non. Ah là là, je suis pas réveillé, comment ça se passe? Ah là là. Nom de nom, ben ouais, mais trop. Trop. Voilà, et là il y a du courant pour tout le monde. Nickel. Ah là là, John, putain. Sans déconner. Bon, le jaguar va falloir le temps qu'il arrive, je sais même pas où il est d'ailleurs. Il est où mon jaguar? Il est là. En transit. Ok. Bon, pendant qu'il transite. T'attendais que je percute? Ouais, bah tu sais, des fois il faut que. Tu vois, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Donc, habitat. Nourriture. C'est celle-là. Hein. Attends. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est la grande du coup. Alors le terrain est pas tout à fait plat. On va se mettre là. Voilà. Ça c'est la mangeoire. Et pour la flotte, on va la mettre un peu à l'écart. Pas mal là. Par contre, je suis en train de voir du coup que
Ah, ça y est, il arrive. J'espère que vous êtes prêts, les gens. Il arrive. Attention. Tu dis bonjour? Il va falloir que je m'occupe de toi, t'inquiète. T'inquiète. C'est dommage, il fait nuit là, on voit pas bien, il fait nuit. On va s'occuper de son bien-être après, mais... Par où il va se faire la malle? Ouais, non mais tellement... Tellement... Ah, ça y est. Ça y est. Ah là là, si c'est beau. De quel côté il va se barrer? J'avoue. Pour l'instant, ça va, il est calme. Il visite. Normal. On va vite s'occuper de son bien-être, quand même. On va faire ça. Bon, c'est très très classe quand même. C'est très très classe. J'en connais un, je sais pas où il est, Charivari, mais j'en connais un qui adorerait. Le petit mouvement des oreilles, ouais, j'avoue. Ah, je crois qu'on est sur un objectif sorti là. Ah non, ça va. Bah, si c'est le seul endroit où tu veux passer, gros, ça va le faire. Ah non, c'est bon, il a repéré. Ah, c'est très très beau. Bon allez, on va s'occuper de son bien-être un peu. Avant qu'il se barre. On va mettre pause. Alors, qu'est-ce qu'il te faut, grand? C'est quoi qu'il faut? Alors, social et habitat. Alors, habitat, c'est clair. Habitat, il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez d'herbes courtes, donc ça on va en mettre un petit peu, ça va le faire. Et on est quasiment bon pour le reste, il faut juste de la terre, plus de terre et un peu d'herbes courtes. Ok, je peux faire ça, je peux faire ça. Faut juste le faire de façon un peu cohérente, mais on peut le faire. On va baisser la puissance. Voilà. Par contre, je vois un endroit là, c'est complètement carré, c'est pas joli. Ici, c'est pas beau du tout. Échantillon. Voilà. Voilà ce super animal qui vous fascine vient de prendre le sobriquet gros. Mais non. Mais non, mais non. Il va falloir qu'on lui trouve un petit nom, mais on va le faire. Tac. Là, on va mettre un peu de rush. C'était la terre que je voulais.
Ok. Le chat est témoin. Alors. Donc, pour le terrain. Ah, il n'y a encore pas assez de terre. D'accord, faut vraiment qu'on se lâche sur la terre en fait. Et sur l'herbe courte. Donc, il faut mettre plus de terre. Ok. On va mettre la terre dans les zones. Dans les zones où il fait des va-et-vient. Donc genre par là. Forcément, là autour de sa mangeoire, ce sera plus piétiné qu'ailleurs. Pourquoi je suis si près? Ok. On murmure dans l'enclos des flamants roses qu'un jaguar vient d'arriver. C'est vrai? Ils se le disent entre eux? Tu crois? Ce serait drôle. Ce serait oups, il y a un jaguar. Bon, là c'est pas mal. Voilà, on est bon. On est bon, il n'y a pas assez d'herbe courte. Donc on va remplacer de l'herbe longue par de l'herbe courte, ça va être plus simple. Ah mais je peux le voir en direct. Je suis même pas obligé de mettre play en fait. C'est pas comme ça avant aussi. Tac. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah, c'est parce que j'ai modifié le terrain a posteriori. D'accord. Faut que je modifie ça. Ah oui, mince, le veto, t'as raison. Mais j'ai, faut que je mette play pour ça. Le veto, arrête-toi. Va t'occuper du jaguar. Qui est là. Carrément. Du coup, on va mettre play un petit peu. En espérant qu'il se barre pas. On va remplacer l'herbe. Tac. Ok. Coucou Charivari. Ah bah, hey, t'es arrivé au bon moment Charivari. Regarde. Spécial dédicace à Charivari. Fan de félin. Si je ne me trompe. Le soleil est bientôt là. Quand il va être en plein soleil, tu vas voir comment il va être beau. Allez, alors, du coup, habitat, on est pas mal. Flore, ça manque carrément. Il en faut beaucoup. Ok, et on a dit tropical, prairie. Qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs problèmes. Attends, qu'est-ce que 35 problèmes, ça fait beaucoup quand même. Plusieurs problèmes d'habitat avec des tortues. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Expliquez-vous. 15 alertes, hein, ça fait beaucoup quand même. Bah alors, il est où le soigneur qui s'occupe des tortues, en vrai? Dorian pensait à une bagnole, c'est vrai. Il est où mon soigneur des tortues, je comprends pas. Il est débordé, apparemment. On va en mettre un deuxième. On va en mettre un deuxième. Parce que ça va pas du tout.
Je l'ai mis ou pas? Voilà, zone de travail. Allez, maintenant tu grouilles tes miches. Ah, il s'est barré. C'était prévisible. T'es où? Bah ouais, tu m'étonnes, gros. Pardon. Tu veux pas rentrer? Non, il veut pas. Ok. Allez, voilà. Merci, c'est cool. T'es le meilleur. On va devenir pote, t'inquiète. On va devenir pote. Ça va le faire. Liberté. C'est ça. Donc, allez. On a dit ça, c'est bon. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe de la végétation. Alors, végétation tropicale, Amérique du Sud. Tropicale. Continent, Amérique du Sud, ça marche ou pas? Ça marche. Ça, c'est pas ça. Alors, les palmiers, ce serait un peu dommage de mettre du palmier, là, honnêtement. Ouais, voilà, ça, c'est les nouveaux arbres. On va se faire ça comme ça. On va sélectionner les nouveaux arbres et on va voir s'il est content ou pas. Est-ce que t'apprécies ce genre d'arbre? Oui. Ok. Il y en a trois. Ah ouais, ça va être stylé. Je pense que ces arbres-là, c'est pas mal. Peut-être un ou deux en hauteur qui seront dans ce genre-là. Ça, c'est le deuxième. C'est la version gigantesque. Qui est un peu grande, honnêtement. Mais quoique, peut-être de ce côté-là, c'est pas mal. On va se la jouer un peu comme ça pour l'instant. On va improviser au fur et à mesure. Par contre, il y a un problème de réglage. L'arbre nouveau est beau. Ouais, il est beau, hein. Celui-là. Ouais, carrément. On va arriver à faire un truc. On va arriver à faire un truc. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. On regarde là un peu. Alors, fougère, oui, il va y en avoir des masses. Mais est-ce que ce sera celle-là ou est-ce que ce sera la petite? Oui, ok. Je pense que ce sera celle-là. S'il aime bien, ce sera celle-là. Ouais. Il y en a deux. Comment ça, mon jaguar, il va mourir de vieillesse, mais jamais de la vie? Il était déjà si vieux que ça? Non, la vérité? Non, vraiment, j'ai acheté un jaguar méga vieux. Déception absolue. Ça m'a coûté une fortune. Ah, abusé, j'ai pas fait gaffe à son âge. Ah. Ah. Tu t'es fait escroquer, mais à fond. Voir la généalogie. Alors, je peux voir sa généalogie, je suis content. Frères et sœurs, il a eu plein de frères et sœurs. Il a eu plein de petits, mais moi je l'ai acheté, il était... Ah, damned, ouais, comme tu dis. Ah, damned. Bon. Bon. Ah, je suis dépité. Non, mais c'est pas grave, il est mort de vieillesse. Ce sont des choses qui arrivent, mais il m'a coûté une fortune, surtout. Et là, il n'y a plus que des jaguars... Il n'y a plus de jaguars noirs, quoi. Genre. Il n'y a que des jaguars... tachetés. Bon, bah, ça va être tacheté, les gens. Au moins pour faire les réglages du bâtiment, quoi. Il n'y a que du tacheté. Bon, on saura que le jaguar noir, c'est le plus rare. On aura eu le temps de le voir. Pas longtemps, mais... donc, du coup... Je me fais pas avoir deux fois au niveau de l'âge. 3 ans. Jaguar éphémère, c'est ça. Un petit peu. Bon, bah, je pense qu'on va prendre... On va prendre le tacheté. En attendant. Ah, la déception, quoi. C'est un mâle que j'ai pris? Une femelle? C'est un mâle, hein. C'est
c'est un mâle, c'est ça. C'est abusé par contre qu'il n'y ait pas de noir du tout. Ils font monter les prix exprès, tu crois? Ah, il y en a un là. J'ai pas les sous. J'ai juste pas les sous. Putain, mais ils coûtent une fortune, les machins. Vas-y, dans un premier temps. Voilà. Mais non, faut pas être dégoûté. Faut pas être dégoûté. Mais non. Non, il est mort de vieillesse. Tout va bien. Tout va bien. On va appeler le soigneur, enfin le vétérinaire. Et tout va bien. Rien de grave. Rien de grave. Par contre, c'est un peu la merde, on dirait. Non, ça va. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Donc le vétérinaire va arriver. Pendant ce temps-là, j'essaie de trouver la végétation que je vais mettre pour le jaguar. Alors attends, c'est ça, là où j'avais un problème, c'était là. Voilà, ça va être mieux. Ça c'est joli, mais ça prend beaucoup de place. Mais après tout, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme arbre, ça. Un ou deux comme ça vers le haut. Ouais, ça peut être pas mal. Ça va cacher la clôture en plus. Il y aura les ruines et tout. Non, ça va le faire. C'est quoi ça? C'est, ça en est d'autres, mais c'est les mêmes. Très courte life. Bah, il était. Oh purée! Attendez, attendez, parce qu'on a la version, on a la version guépard ultra rapide qui est déjà en train de se barrer. Non, non. Waouh. Waouh. Oh la vache. Attends, on a intérêt à leur trouver de quoi se dépenser. Hein. On a intérêt à faire de quoi leur, à faire de quoi qu'ils se dépensent. Ah ouais, le pelage de ouf, notre. Ah, t'as vu le visage qu'il a? Ah, regarde la tête. La tête de l'animal, quoi. Waouh. Allez. On va s'occuper de leur faire un habitat le plus bien, bien, bien possible. Donc. On en était là. C'est quoi ça? Ah, c'est des fleurs. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, c'est l'autre arbre, ça. Oui, exact. Ça fait partie des nouveaux arbres, ça. Alors, c'est peut-être pas mal. Ça existe en version, ouais, comme ça. Ça peut être pas mal, ça. Est-ce qu'il apprécie ou pas? Il apprécie. Troisième, d'accord, ça donne ça. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des buissons, ça? Faire des buissons un peu cool, je pense. Ça peut être pas mal du tout, ça. Ouais, je le sens bien comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va s'occuper des ruines. Faudra de la petite fougère. Ça, c'est celle que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour plus tard. Le ouf. Ouais. C'est éventuellement utile. Ça, c'est du random. Ça, c'est beaucoup trop grand. J'ai peur. Ça, c'est toujours utile pour avoir du feuillage. Et il n'y avait pas. Ouais, c'est ça, il y avait plein de racines. On va qu'on regarde ça. Tu reviens? T'es où? Où es-tu? Allez, tu rentres tout de suite. Allez. Merci. Ils m'obéissent, ça fait plaisir. Pour l'instant, hein? Temps de. Mais non, il s'est pas échappé là. Que dis-tu? Pas deux fois. Il est où?
quoi, merde alors? Ah si. Allez John, t'es où? Viens là. Ah purée, capturé. Tu l'as vu sauter? Ouais. Bon pour l'instant... Pour l'instant on va remonter les clôtures pour être tranquille, hein. Sans déconner. Je peux le déplacer ou pas? Non, c'est bon. J'espère qu'il va pouvoir venir, machin. Déplacer, voilà. Je sais pas s'il va pouvoir venir, j'espère que oui. Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Ok. L'arbre, c'est pas une bonne idée non plus, tu crois? Est-ce qu'il monte? Je pense qu'il monte. Ah! Comment faire? Bon, pour l'instant, on le met là. Oui, mais celui-là. Bon, et on s'occupe un peu de son habitat ou pas? On finit la sélection. Donc là, on était sur Amérique du Sud. Faut que je regarde un peu dans le tempéré s'il y a des trucs qui m'intéressent. Et après, on va lui poser au moins déjà une petite ruine pour qu'il s'amuse un peu. Ça c'est quoi? C'est des trucs à fleurs. Bof. C'est tous les mêmes. Ah non, il y a celui-là. Bof, pas convaincant. Ça c'est beaucoup trop gros. Peut-être celui-là, tu vas me dire. Ou celui-là. Ça c'est trop petit. On va se le garder. Peut-être que ça... Peut-être, peut-être. Je dis pas. Peut-être. Bon, avec tout ça, ça fait une base. Hop. Donc on va commencer à poncer un peu notre truc. Par contre, il faut que je demande des réparations. Mécanicien tous les 3 mois. Voilà. Bon, ça devrait le faire. Je comprends pas pourquoi les tortues... Je comprends pas pourquoi les tortues ont soif tout le temps. Si ce n'est le fait qu'elles sont nombreuses, mais... c'est abusé. On va mettre un peu en pause. Perdre pas de temps pour se barrer. Ouais, tu m'étonnes. Bon, donc on réfléchit un peu comment construire notre truc. Là, ça va être la zone des arbres, les grands arbres, on va dire. Donc ça, ça va être probablement dans le coin. Ici, il m'en faudra un autre. Probablement. Ouais. On va avoir un morceau de ruine ici. Là, on avait dit le mur là-haut. Cet arbre-là, ça le fera pas. Yes. Alors, du coup, je vais regarder vite fait dans les constructions. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Dans les plans. Voilà. Ces trucs là, il est où? Voilà, et ce genre de truc là. Voir la taille que ça fait. Est-ce qu'on avait besoin d'une clôture à un moment donné? Alors il y a beaucoup trop de trucs. Mais dans l'idée c'était pour les ruines de pas m'embêter. Ça peut être pas mal ça. Sachant que je vais customiser les choses, là il y a des trucs qui me plaisent pas, mais je sais pas si je le fais. Ouais, si je le fais un minimum comme ça quand même. Ça va nous donner un esprit, après on virera probablement des trucs, mais ça va nous donner déjà un esprit de ce qu'on fait, parce que sinon on va pas y arriver. Regarde, tu vois, il grimpe aux arbres. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Il est dans l'arbre, là. Je l'ai bien vu. Tac, ici. Genre, comme... Bah dis donc. Dis donc. Ils
se pose sur quoi là? Ah, c'est oui, c'est de ma faute. Vas-y, pose-toi là. Ok. Ça. Ça va nous donner un premier, une première maquette, on va dire. Et après, on mettra le truc à notre sauce, mais. Histoire de que ça se passe bien. Là, l'avantage, c'est que je peux caler directement mon. Attends. Oh, t'es. Eh, hey, 2 secondes là! T'es où? Sauvageon! Ah, va vraiment falloir que je mette en pause. Bon, moralité, il grimpe aux armes, machin. Donc, sur cette partie-là, on peut camoufler notre clôture. Ça, c'est cool. Il faut juste que je... Voilà. Ça. Il va falloir sortir le clicker pour éduquer tout ça. J'ai pas la pause en barre espace. Non. Je l'ai pas mis. Je vois pas où est la clôture. On va virer les décos qui sont un peu comme ça. Tac. Du coup, est-ce que je peux aplanir un peu le terrain là ou pas? Et voilà, c'est la clôture qui gêne le combat. Voilà, ça c'est ça. Tac. Alors, on est vite fait. Le papillon quitte, soit à fond. Hop, voilà. Donc là, on est pas mal. Pour ce truc-là, on est pas mal. Ici, à mon avis, il va falloir prévoir un autre morceau. Il y a forcément une partie. Alors ce que je comprends pas, c'est que si là il peut pas monter, il peut pas passer là. Ah si, ça vient de mon terrain en fait. Faudrait que j'aplanisse un peu mon terrain pour qu'il soit impossible d'accès, je pense. Genre ça. Tac, et. Là, ça devait être. Là, il n'y a pas de raison qu'il accède, si. Ouais, si, il va sauter de là à là. On va voir. Alors, faudrait qu'il le déplace quand même. Ce serait bien. Salut, Félon! Comment tu vas? Ouais, il va prendre son temps. On va regarder dans les autres plans ce qu'il y a de sympa. Donc, ça, c'était celui-là. Ça, c'est un petit. Ça pourrait être l'abri, mais c'est un peu trop sur mesure. Enfin, c'est un peu trop. Ça, c'est pas mal, ça. Faut que je fasse un truc comme ça, tiens. C'est joli, ça. Bon, non, je pense qu'on est parti pour prendre plutôt les ruines, du coup, parce que là, il y a trop de bâtiments vraiment construits. Ah, bah voilà. Ça, c'est l'idée, ça. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout, ça. Sauf que l'animal passe entre les deux, mais si on met une vitre, personne ne voit rien. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Tu vois, genre, sur un truc comme ça. Alors, je vais pas le faire là, mais si tu mets un truc comme ça, tu mets ta vitre entre les deux, c'est discret. C'est discret. Je vais récupérer des bouts par contre.
L'arbre qui pousse en haut, par contre, c'est un peu con, mais. Tac. Hop. Alors du coup, ton message s'affiche pas fait long parce qu'il y a un gros mot dedans. Donc faut le temps que je clique pour qu'il s'affiche. Peut-être sur les hauteurs là. Histoire que ce soit à peu près correct. Hein. Sauf que là ils vont passer. Non, ça va pas le faire ça. Ça va pas le faire. Ça, il va aller en bas. Il va aller au niveau de la nourriture, tiens, ça va être pas mal. Ah ben là, il était validé. Merci Microsan! Tiens, voilà. Typiquement, genre de truc, ça peut le faire. Pour se mettre un peu dans l'ambiance. Un gros mot du papier pour les... T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Sachant qu'il y aura probablement des choses qui vont changer entre-temps, mais... ça, c'est les petits bouts qui sont dispo, donc ce morceau-là, je peux le virer. Yes. Donc... Ah, ils dorment juste là. Ah oui, il va leur falloir un abri. Il faut que je prolonge le mur qui est là, ici, à minima. Donc, il faut que je récupère un bout. Alors... ça. Ah ben non. Allez. Voilà. Je peux faire comme ça. Je suis pas très bavard ce soir, je viens de finir la petite commune. Il était KO chez moi hier. On va voir si ça le fait. Si je fais ça. Est-ce qu'il passe? La question c'est, je voudrais savoir s'il passe en fait. Parce que s'il passe pas, je ne fais pas ce morceau-là. Mais s'il passe, je vais être obligé de le faire. On va la jouer comme ça. Je vais le poser comme ça pour l'instant. En même temps, c'est pas tout à fait bien ce que je fais. Je le pose comme ça. Mais... Je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est pas censé être comme ça techniquement. Du coup, ça le fait moyen. Faut pas que j'aille trop vite. Faut pas aller trop vite des fois. Non, ce morceau-là me plaît pas. Et forcément. Parce que c'est pas censé être comme ça normalement. En soi. Donc admettons, là on a la partie machin. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, du tout. Là on va se faire une zone un peu végétalisée. Et bien sympa le nouveau DLC, j'en suis pas déçu comme les autres, j'espère qu'ils nous sortiront un DLC avec des animaux marins et volants. Ah mais à fond, à fond, à fond. À fond, je suis allé trop bas. Après là, je suis en train de galérer, mais parce que j'étais en train de perdre mon objectif de base, qui est quand même de dire, je voudrais en fait, tant que faire se peut, je voudrais que ce soit à peu près réaliste. Donc là, pour ce temple-là, ça va être réaliste, mais pour celui-là, c'est pas convaincant pour l'instant, parce que je les pose un peu à l'arrache mes ruines, et du coup, la logique voudrait que ce soit cohérent. C'est-à-dire que mes ruines, elles aient un sens. Encore? Sans déconner. Hey John. Il passe vraiment vachement haut en fait. Donc je vais vraiment avoir un souci. Je vais vraiment avoir un souci du coup. Il disait combien sur la zoopédie? En hauteur? C'était là. Il disait... Il disait pas. Il disait là. Non, là. D'ailleurs, je dois avoir des recherches de débloquer. Ils le disent pas? Clôture. Ah là. 3 mètres.
Ok. Il y a 19 mois avant l'arrivée de madame. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, mais parce que la logique voudrait qu'il y ait un temple là en face. Dans mon délire de faire des ruines, machin, tout ça, la logique voudrait qu'il y ait un temple. Donc s'il y a un temple, alors bon, ça c'est une petite ruine, pourquoi pas, on peut l'imaginer, qu'il y a des petits morceaux qui traînent, mais à la base, hop, d'ailleurs on va le mettre là-bas, à la base c'est pas censé être comme ça du tout techniquement. C'est-à-dire qu'on est censé avoir un temple, on va faire ça comme ça. On est censé avoir un temple en frontal là, avec un escalier, etc. etc. en fait. Inspectrice qui est passée, c'est vrai. Je pense que c'est pas cher, ça c'est cool. Et. Tortue, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, normalement, en fait, le relief voudrait que ce soit un temple. Déjà. Genre par exemple ici. Admettons. Ce serait le haut du temple. On va mettre un bâtiment. On va faire, on va le faire. Au lieu de parler, on va le faire. Ça va être bien. Donc. Même si c'est une ruine, il y a forcément une logique. Et un temple à moitié sous terre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, celui qu'on avait vu là, dans les plans. Celui qui était. C'était lequel? C'était pas ça. Ouah la vache. Non, c'est pas ça. Il est où? Ce genre-là. Non, c'était pas celui-là. Il y avait un autre. Celui-là, voilà. Logiquement, t'es censé avoir un truc dans ce genre-là, mais dans le sol. Techniquement. Pour être, si tu veux faire ça bien, t'es censé avoir ça. Je suis même à la limite de le faire. Attends. Va voir ce que ça donne. Bon, sauf que là, il va pouvoir grimper ici, mais en gros, t'es censé avoir ça. J'ai un loup qui va mourir de vieillesse, ouais. Je vais le faire à ma sauce, mais en soi, c'est à peu près ça, quoi. Et ça, là, ce sera beaucoup plus logique. Mais je vais le faire à ma sauce quand même. Par contre, je vais m'occuper du loup. Enfin, des animaux un peu, parce que je vois qu'il y a des... y a plein d'alarmes. Un loup qui est mort. Et du coup, j'ai deux femelles, donc faut que je reprenne un mâle. Temple inaccessible pour le jaguar, alors sinon. Oui, carrément. Oui, il faut qu'il soit inaccessible pour le jaguar. Ah, alors attends. Je parle beaucoup, mais. Parce que souvent, mine de rien, je fais les choses trop vite. Et je me retrouve à en défaire une partie après le stream pour repasser sur autre chose, ce qui est un peu con. Enfin, pour refaire autre chose, donc c'est un peu bête. Donc il vaut mieux que je réfléchisse avant et que quand bien même vous participez à la réflexion plutôt que. Oh dis donc. Plutôt que je fasse des bêtises, non, vous croyez pas? Aux normes antiques ou aux normes d'Hollywood? Aux normes antiques, Hollywood antique à Brassax. À mi-chemin entre les deux. On peut faire un truc entre les deux. Ça, là c'est bon. Les tortues sont toujours pas adultes, mais ça devrait pas tarder. Ça va baisser un peu la pression parce que les tortues, il y en a beaucoup trop. Tac, hop, hop. On est bon. Ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Pas de panique, on y arrive. Voilà. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Et comme ça, on va pouvoir penser. Hop.
Comme ça, on va pouvoir penser directement notre clôture pour pas qu'il passe. Donc, on a dit 3 mètres. Construction. On a dit 3 mètres, sachant qu'un mur fait 4 mètres, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Ça, c'est la base. Hop, le mur. De toute façon, c'est des poutres de 4 mètres, les pierres. Alors, j'ai ma souris qui est en train de me lâcher, ça se voit, la molette est en train de faire ce qu'elle veut. Et j'ai pas regardé pour les animaux. Fuck. Ouais, c'est ça. Le mur fait 4 mètres. Donc si... Voilà. Ici. Perdu. Bonnie Space. Donc, moralité, je sais que si... Si mon mur il est là où il y a là où il y a un mur, je sais que je suis je sais que... Ah purée, je me suis pas occupé du loup. Là où il y a un mur, je sais qu'il passe pas. Et on va construire notre temple à partir de là. Ça va être très bien. Ça va être très bien. Par contre, les animaux. Donc, il me faut un mâle. J'ai pas été efficace ce soir, mais on a posé les bases. On a posé les bases. Loup, loup, loup. Après, je vous montrerai à la fin, je vous montrerai la nouvelle map, du coup. Voilà. Où j'ai déjà commencé à construire, du coup. Et c'est un mâle qu'il me faut, donc ça tombe bien. Par contre, ils sont... Ça va, ils sont tous à peu près jeunes. Ils ont des stats dégueu. Ouais, les stats sont vraiment pas folles. Hein. Pourquoi il y a que en cage d'ailleurs? Il y a que en cage, c'est chaud. Il y en a plus qu'un, d'accord. C'est chaud cette affaire. Voilà. Du coup, en gros. Ah oui, purée, les recherches. Concentration, Ashker, concentration. Pourquoi mon vétérinaire il s'en occupe plus? Ah, parce que le jaguar ça a changé, non? Ouais, parce qu'on a le jaguar est mort pendant un moment, forcément. Forcément. Alors. Du coup, j'utilise que celles-là. J'utilise que celles qui sont teintées parce que c'est plus naturel. Dans le sens où tu peux faire plusieurs teintes. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite remarque. Oh, putain. Je fais une petite remarque perso, mais j'aime pas du tout leur mur en pierre comme ça. La très bonne nouvelle, je trouve que ça fait trop brique là. Ça fait trop industriel et je suis pas fan. Mais la très bonne nouvelle, c'est que. Se poser ça là. C'est que cet élément-là. Hop, fait la même taille qu'un certain nombre de blocs. Donc on peut customiser les murs en fait. Genre, hop, et que ce soit à peu près discret. Parce que je trouve que ça, par rapport à ce que j'ai en tête des murs Maya et tout ça, murs Inca, Maya, etc. Alors c'est où? C'est là? Genre, là, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, où ça match à peu près, ouais, c'est à peu près là, quoi. Et, hop, la bonne couleur. Voilà. Et ça te permet de customiser un peu le mur, parce que je les trouve pas, pas Maya du tout, en fait. Ouais, c'est ça, ils ont besoin d'être retouchés, c'est ça. Et donc, du coup, soit tu le fais comme ça, soit tu le fais en rajoutant ces morceaux-là. Voilà. Par endroit, tu sais.
Si tu gères bien, t'arrives à faire des trucs pas trop dégueux. Tu vois, où tu en as un morceau, mais t'as pas tout, machin, etc. Voilà. T'arrives à faire des trucs quand même, parce que je trouve qu'effectivement, ça manque de naturel, quoi. Elles font plus le roi de le Merlin que Maya. Ouais, ça, hein, on est d'accord. Surtout qu'en plus, quand tu regardes bien, ici, ils ont fait que du mur, pas comme ça, en fait. Voire même avec des cailloux un peu chelous, tu sais, comme on voit sur les vidéos complot Maya, tout ça. Mais en fait, tu t'aperçois que même eux, ils se sont pas servis de leur truc pour faire les plans. Dans ce proposé, on voit le pattern de régularité. Ouais, c'est ça, hein. Et ça fait vraiment, je trouve que ça fait vraiment trop régulier. Donc du coup, si tu joues un peu avec ces pierres-là, sachant que tu les as dans tous les sens, tu sais, tu peux très bien. Hop, elle est où l'autre? Elle est là. Voilà. Tu peux arriver à, tu vois, à casser un peu leur pattern, qui à un moment donné, je la trouve vraiment violente, quoi. Tu vois? Et à la fin, c'est discret, hein, honnêtement. Coucou Moxitube, comment ça va? Comment va le Canada, Moxitube? Alors, d'habitude, je travaille avec des photos. Du coup, faire un truc à colonne. Avoir une base. Tac. J'étais middle. Je peux le déplacer dans le bon sens ou pas? Ouais, c'est bon. Va faire comme ça. Ça, on sera sûr de nous. La logique voudrait que, mais ça va le faire. Hop. Je réexplique pourquoi je prends que les trucs de couleur, c'est que ça te permet de créer des variations dans les couleurs de pierre. Bah ça va, écoute. T'as le même parement dans ta cuisine, c'est vrai. Abusé. Alors, on va pas le mettre dans ce sens-là, on va le mettre dans ce sens-là. On va peut-être tout de suite préparer les escaliers pour être bien. Que j'avance le tout. On va peut-être le partir. On va partir de là. Yes. Donc ça c'est bon. On va l'avancer un peu. Du coup, faut que je raligne le terrain. Ah, j'ai pas validé. Boulet. Sachant que de toute façon, ouais, on part de ce principe-là à peu près. Je ne vois pas pourquoi il n'en veut pas plus là. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Voilà, on y arrive. Petite sauvegarde me rassurerait, c'est vrai? C'est fait, Neutrino. D'autant plus que la texture de ce que tu ajoutes est plus uniforme et donne cette impression de pierre massive. Ouais, à fond. Ouais, la France va bien, Moxitube. Tu vois, on a hâte de sortir de ces affaires-là, mais ça va, ouais. Alors, on va avancer. On va vite fait faire l'escalier, à minima.
Ouais, ça va être long. Ouais, ça va le faire. Comment on ferait pour... Bah, on peut pas trop en fait. Si on peut comme ça. Et après, je vais remplacer au coup par coup des pierres pour rendre le côté un peu broken. Ça, plus de la mousse, plus machin, plus plein de trucs qui vont donner l'impression que les choses, tout ça, tout ça. Ok, donc là on est pas mal. Il faudrait qu'on assure un peu au niveau du terrain. Des pierres cassées, ouais, c'est ça, c'est ça. La logique voulant que il aille soit jusque là, l'escalier, soit qu'il y a une plateforme. Il y aurait peut-être une plateforme à ce moment-là, ici. Que ce soit quand même accessible. Donc ça voudrait dire que le terrain il est gonflé là. Ça voudrait dire à peu près quelque chose comme ça. Yep, ce serait un truc dans le genre. Et les jaguars ne vont pas y aller. Bah, ils vont monter jusque là, mais après c'est un mur de 4 mètres. Donc on va juste assurer pour qu'ils puissent pas sauter nulle part, tu vois. C'est l'idée en fait. C'est l'idée. Après peut-être que ça va pas le faire, hein, mais l'idée c'est de dire ils peuvent naviguer dans le truc, mais pour autant ils peuvent pas aller plus loin, tu vois. C'est l'idée. Après, est-ce que je vais arriver à réussir à faire ce que je veux, ça? Pourquoi il y avait un problème de centrage bizarre? Bizarre. Est-ce que c'est censé être ça? Ah, c'est parce que c'était pas centré à la base en fait. Ça fait ça quoi. Au fait, les Mayas pratiquaient la destruction rituelle des bâtiments, du coup tu peux tâtonner, casser et refaire, ce sera RP. C'est vrai. Non mais tu vois, après, typiquement, tu prends, tu reprends... Tu prends n'importe lequel, on va partir d'en bas, mais tu prends celui-là, tu le remplaces par celui-là, et tu vires, tu vois? Et à un moment donné, ton truc, il va devenir un peu cool, quoi. Ça reste tout un taf à faire, hein, on est d'accord. J'ai pas dit que j'avais fini ce soir, clairement pas. Mais bah, y a moyen, quoi. Tac. Il suffit qu'on soit un peu malin, puis on va y arriver. C'est lequel? C'est le bleu. Alors, il faudrait que ce soit à peu près parallèle, ce serait pas mal. Voilà. Hop. Un truc comme ça. Il y a du taf, mais c'est tellement cool à réaliser. Ah, mais à fond! À fond, à fond! Et non non mais c'est puis quand je vais voir les jaguars courir dans ma comment ça pourquoi il veut pas ah il veut pas ok quand je vais voir les jaguars courir dans mon dans mes ruines et tout je vais kiffer clairement. Donc là il en faut 3 en fait. Alors tac, le truc c'est qu'au début tu construis pour après déconstruire, tu sais. Mais quand je vais voir les jaguars qui vont commencer à corater dedans, ça va être terrible. Mais je vous montrerai à la fin là, on est pas. Je sais pas quelle heure il est. Ah oui putain, vache. Après je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le. Pour le sur l'autre sur le début de la franchise enfin sur le début du troisième zoo. Et du coup l'avantage d'avoir
prix des pierres de couleur, c'est qu'après tu peux piocher en random. Et tu peux... Alors on va prendre celle-là. Voilà. Et tu peux commencer à... On va prendre celle-là. Et tu peux commencer à randomiser un peu ton truc. Pour que ce soit... Ouais, j'ai repris le même, c'est con. De toute façon, c'est du random, donc tu sais pas lequel tu prends à la fin, c'est pas grave. Tac, tu peux même y aller un peu plus fort. Voilà. Comme ça, tu commences à avoir un truc un peu plus naturel parce que c'est pas tout de la même couleur, quoi. Et du coup, c'est cool. Du coup, c'est cool. Typiquement, là, il faudrait les colonnes au début. Même là, on aurait pu remplacer celui-là par... Peut-être je vais le faire trop... Peut-être je le fais trop vite, mais c'est pas grave. Par celui-là. Virer celui-là. 180, ce serait pas mal. Voilà. Il te faut des arbres dans les racines énormes avec près des escaliers. Alors il y a les, tu parles de ceux-là là? Pourrait avoir celui-là. On pourrait avoir l'arbre qui est là, par exemple. On pourrait imaginer que l'arbre il a commencé à pousser directement, tu sais, et qu'il a percé le. Pour imaginer ça, hein, ce serait pas mal. Qu'il a percé la roche, par exemple. Tu vois, qu'il a cassé le truc ou. Il y a plein de trucs de possibles. Genre on peut faire ça. Donc là forcément la roche elle a morflé. Et du coup on remplace celui-là par les morceaux qui sont broken. Voilà. Et idem de l'autre côté, on va en mettre un autre. Hop. Celui-là donc. On dirait une pyramide d'un câble. C'est un peu l'idée. Tu vois? Et du coup, on va pouvoir commencer à faire un truc un peu cool. Ceux-là, tu les casses. Donc, on peut tricher parce que si on reprend le même, le problème, si on reprend celui-là, parce qu'on n'en a pas 50, si on reprend celui-là, admettons, on prend celui-là. Hop. Hop. Donc là, je le mets. Je vire celui-là. Hop, ça va faire ça. Et vu qu'il est trop short, tu le rallonges avec celui-là. Par exemple. Et tout doucement, notre truc il va avoir de la gueule. L'arbre qui traverse la roche, c'est une bonne idée. Yep. Ouais, non, mais on va y arriver, on va y arriver, on va faire un truc cool. Et attends, je voudrais voir si les guépards ils s'approprient le truc ou pas. Après, il suffit qu'on mette, je suis en train de penser, mais si on a les découvertes, les recherches de valider, alors peut-être pas, elles sont peut-être pas validées, mais dans les optimisations d'habitat jaguar en ludique, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, on a déjà quelque chose. Il doit y avoir la marque, l'odeur, non? Ludique. Il n'y a pas l'odeur. Admettons, il y a une griffoire. Faudrait le casser. C'est quoi? Le cacher, pardon. Ouais, le loup, ça c'était prévu. Il va me manquer des améliorations. Enfin, des améliorations. Mais admettons. On va tester ça comme ça. Ouais, non, ça le fait pas. C'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc, faut que j'attende que les recherches se fassent. Faut que j'attende que les recherches se fassent. Mais bon, bref, vous avez compris le délire. Doucement mais sûrement, on va y arriver. Ce qu'on va faire, là je vais sauvegarder ce zoo là. Là où j'en suis. Je sauvegarde, puis je vous montre vite fait ce que j'ai fait sur l'autre map. Il y a un motif récurrent sur les marches. C'est vrai? De quoi? Sur la couleur? Ah oui, non, ouais, t'as raison. Oui, il faudrait qu'une fois de temps en temps, il faudrait que je les retourne en fait. Il faudrait que je retourne la marche.
Si j'y arrive. Voilà. Ici. Ici. Il faudrait que je joue sur le... Tu as raison, Neutrino. Parce que le motif, forcément, vu que toutes les pierres sont dans le même sens, il faudrait que j'en retourne une ou deux pour que ce soit bien. Mais oui, tu as raison. C'est ça, tu les retournes un peu dans tous les sens et ça le fait. Et tu vois, après, tu chopes ça. Par exemple, celui-là. Hop. Tu le cales dans la végétation. Enfin, tu le cales au niveau de la... Et tu commences à avoir un truc qui va être à peu près sympa. Alors, vas-y, montre-toi. T'es où? Tu fais quoi? Vas-y, tu fais quoi? Mais voilà, tu t'amuses. T'as raison, amuse-toi. T'as bien raison. Fais-toi plaisir. Non, pas là-bas. Ah, tu vois, là, il est frustré. Non, il va sauter. Il va sauter, je le sens. Stop, ça suffit. Il suffit. Sauvage. Animal de malheur. Bref, donc du coup, ça va être cool. Je vais bosser et ça va être cool. Je vous montre vite fait l'autre map. Je sauvegarde. Et je vous montre vite fait l'autre map. Revenir au menu principal, oui c'est ça. Donc c'est la même franchise, mais c'est un nouveau zoo que je vais essayer. Alors que je vais essayer de faire le plus naturel possible dans le sens, enfin c'est un mini zoo pour le coup, mais que je vais essayer de faire le plus naturel possible, c'est-à-dire que c'est sur le mode Amérique du Sud, mais c'est vraiment les ruines qui ont été recolonisées, tu vois. Donc je vais essayer de faire qu'on ait le moins l'impression possible. Que ce soit moderne entre guillemets. Mais on est d'accord que c'est du 100% Amérique par contre. Il y aura pas de d'autres thématiques, c'est le Palinka. Pas d'autres thématiques que Maya. Et vous allez voir que sur la map, bah c'est la map Cordillère des Andes. C'est la map Amérique du Sud. Ouais, il est carrément beau l'état. Il est très très beau le guépard, jaguar guépard. Alors, du coup, je vous montre la map. C'est la map d'origine, ça en fait. Alors, faudrait qu'il fasse jour, mais ça devrait pas tarder. Faire ça comme ça. Come on. En fait, alors sur la map Amérique du Sud, d'une, il pleut, mais à drage de ouf, et on est tout en haut des montagnes. Ils nous ont mis vraiment sur le Machu Picchu. C'est le zoo qui s'installe sur un site Maya et pas l'inverse. Exactement, Neutrino. Alors, je voudrais que le jour se lève pour que vous voyez le délire, mais vous allez le voir, de toute façon. Tout ça commence bien, on peut le dire. Tu as pris un bon guépard. Voilà, on y arrive. Et donc, on est dans la cordillère des Andes, tu vois. Machu Picchu, tout ça, machin. Et on accède, voilà, et on accède par ici. Les gens arrivent de par la montagne en fait. Alors, tu sais pas d'où ils arrivent, on s'en fout. Mais ils arrivent de par la montagne. Donc ça c'est la map de départ. Et donc j'ai décidé. Ouais, j'ai halluciné aussi quand j'ai vu la map. Et j'ai décidé donc de mettre tous mes services dans la roche pour qu'ils soient vraiment intégrés. Il va y avoir voilà des temples, enfin des temples en façade machin. Mais voilà, essayez de faire le truc le plus... Là, la cabane, c'est vraiment juste pour gagner des sous, parce que vous voyez que je suis pas pété de thunes pour l'instant. Donc, c'est juste pour faire des sous au début. La cabane, elle restera pas comme ça. Tiens, là, vous voyez un peu de matos quand on bosse. Et voilà, donc du coup, premier temple que j'ai fait, 100%. Et donc, du coup, c'est pour deux vivariums, c'est pour gagner un peu d'argent. Mais voilà, vous comprenez le délire. Vous comprenez le délire. Et donc, bon là j'ai des rainettes, je crois. Elles sont où les rainettes? Elles sont quelque part. Je sais pas si elle est encore dedans en fait. Ah, c'est peut-être pas des rainettes que j'ai. Je sais plus. Ah, par contre, il y a l'anaconda. Coucou! Pas longtemps, pas longtemps. Donc du coup voilà, l'idée ce sera que sur ce, mais celui-là je le ferai tranquille dans mon coin puis je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure. Mais voilà, l'idée ce serait d'avoir
qu'on a un site archéologique, et dans ce site archéologique, il y a un zoo qui s'installe. Mais je trouve ça excellent. En fait, la map est géante quand même. Elle est très très grande. Sauf qu'elle est beaucoup plus compliquée. Parce que le terrain est complètement cabossé. Alors, la fin de la map, c'est par ici. Ouais, c'est ça. La fin de la map, elle est là. Donc, tu vois que tu as quand même de la marge. Entre là-bas au fond et ici. Là. Et du coup, elle va jusque par là. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis quelque part. Ok. Je suis là. Ouais, voilà. La map, elle s'arrête par là, quoi. Mais c'est chouette, hein. Je trouve ça carré, en fait. Bref. Voilà, celui-là, je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure, mais on continuera de développer le zoo principal. On continuera de développer Dactari, mais je crois que c'est là. Hein. Je crois que c'est là. Ouais, il y a de quoi faire des très jolis points de vue pour les visiteurs, je suis d'accord. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il va y avoir des panoramas pour les visiteurs absolument magnifiques. Pas moyen de planquer un générateur dans un enclos. Comment le gars, il intervient. Ah non, pas dans l'enclos, t'es obligé d'être dehors, Mathieu. Mais il faut que tu le câbles, il faut que tu pas que tu le câbles, il faut que tu mettes une route. Donc voilà, je vous ai montré, il faut que tu mettes un chemin qui va vers le générateur, Mathieu. Je vous ai montré ce que ça donnait. J'avancerai tranquillement mais sûrement. Allez, pendant qu'on est en train de faire le tour de mes maps, je vous montre vite fait mon atelier. Revenir au menu. Parce qu'à chaque fois, je me fais un atelier, en fait, le spot de rêve, à fond. Je me fais un atelier pour faire des tests de construction. Un petit peu, quand même, pour pas être complètement à la ramasse. Donc, dans le bac à sable. Hop, atelier Maya. Alors, c'est le bordel parce que j'ai fait plein de petits essais, mais. Parce que là, tout est gratos et on a déjà tout débloqué, donc c'est plus simple. C'est là que j'ai fait la tête de Quetzalcoatl. Et donc, du coup, allez, j'ai testé plein de systèmes de. Plein de systèmes de chemins, notamment pour arriver à faire un truc cool. Et les fameux rochers, enfin les fameux murs customisés pour que ce soit moins dégueu. Tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, pour faire le Quetzalcoatl, il m'a fallu quelques pièces. Mais c'était cool. C'était cool. Bon, du coup, les gens, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Tiens, tu vois, j'ai fait ça aussi. Pour essayer de me caler sur le terrain. Parce que c'est galère, en fait, d'arriver à. Quand t'as un chemin, arriver à faire du terrain et à te caler. Parce que tous les bâtiments Inca, en fait, ils sont à étage. Enfin, pas tous, mais. Ils sont à étage, comme ça. Et sauf qu'à chaque étage, t'as du terrain. Et du coup, c'est pas évident à faire. En soi. Allez, je vais finir. Je reviens. Hop, j'ai pas sauvegardé, c'est pas grave. Je reviens avec les guépards. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi, les amis. Je stream tous les soirs de 21h15 jusqu'à 23h30, sauf le lundi. Donc demain soir, ce sera, je serai sur No Man's Sky. No Man's Sky demain soir. Et prochain stream pour. J'admire ta patience sur le jeu, c'est agréable à regarder. Merci beaucoup, Dorian. Après, c'est pas forcément super super excitant parce que j'avance très lentement, du coup. Mais au moins, vous voyez mon cheminement de pensée quand je construis mes trucs, donc ça peut être intéressant. Rien que pour ça, peut-être que ça a un intérêt. Du coup, prochain stream sur Planète Zoo, ce sera samedi prochain. Samedi prochain, j'aurai avancé entre-temps sur cette map, ne vous en doutez. N'en doutez point, comme dirait l'autre. Je vois qu'il y a encore des défauts sur l'habitat. Ah là là. Bon, je vous laisse en compagnie de. Je vous laisse en compagnie des guépards. Dans la description du stream, tous les liens utiles, comme d'habitude, évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.